Grande vente Emmaüs le dimanche 26 avril au Parc Expo de Rouen. 160 compagnes et compagnons de toute la Seine-Maritime et du Grand Ouest ont accueilli plus de 7500 visiteurs. Vêtements, bibelots, livres, mobiliers et antiquités, sur 4000 m², les chineurs ont pu trouver leur bonheur et la solidarité a fonctionné. Plus de 65 000 euros ont été récoltés. Cet argent va servir à développer une action de solidarité en Afrique et en Asie, ainsi qu'à soutenir le logement dans le département. Cette grande braderie a été organisée conjointement par les trois communautés Emmaüs de la Seine-Maritime. D'abord celle de Rouen. Située à Notre-Dame-de-Bondeville, elle compte une cinquantaine de compagnons. Nous avons la possibilité d'accueil de 50 personnes. Notre spécialité, c'est qu'on accueille également des femmes seules et des couples. Et que donc ces gens-là vivent de leur travail grâce aux dons de marchandises que les gens veulent bien nous donner. Une adresse pour les dons, 8 rue Abbé Pierre à Notre-Dame-de-Bondeville. La communauté Emmaüs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf est-elle toute neuve? Après avoir brûlé il y a 2 ans, elle est enfin installée dans ses nouveaux locaux et accueille 38 compagnons. Nous avons par exemple dans la menuiserie 2 ébénistes menuisiers qui connaissent le métier et qui nous restaurent les anciens meubles, qui les refont. Ils font de la marqueterie, ils font de la tapisserie sur meubles et ce sont des gens compétents. Cette communauté est située 131 rue Liéroux. Troisième communauté, celle de Cauville, qui compte 30 compagnons. Elle est en pleine transformation. Nous sommes à l'heure actuelle en pleine restructuration, étant dans les locaux usagés et vétustes. Il a été décidé d'un investissement relativement important de l'ordre de 1 million d'euros. Malgré les travaux, ce magasin reste ouvert. Son adresse, hameau du Tronquet, à Cauville-sur-Mer. Depuis 1 an, une nouvelle salle est ouverte dans le centre du Havre, au 56 rue d'Iéna. Bien plus pratique, car on peut y accéder en bus ou à pied et on peut aussi y déposer des dons.